Déçu.
Allô ? Allô ? Le mec est au chômage et il est en retard. Allô, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Eh oh ! Bonsoir, 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 ça va ? Est-ce que ça va bien ? Je commence n'importe comment, ça va pas du tout ça. Salut Neufel, salut Triple Razer Zoom, salut Garblux, salut Kelpom. Installez-vous et toutes celles et ceux qui sont là et qui s'installent au fur et à mesure, bien installez-vous. On va commencer, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien, Team Chômage. Eh oui, Team Chômage maintenant. Eh ouais, le mec est un parasite. Le mec profite de votre argent. Voilà, dans l'opulence de l'État et de la société ER. Bien sûr que non, je n'ai jamais été aussi occupé que depuis hier. Bon, évidemment, après, c'est parce que j'ai plein de choses à régler et tout, mais en tout cas, j'ai pas chômé depuis hier. Ce qui est paradoxal. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas streamé, mais voilà, comme je vous ai dit, je tenais à ce qu'on continue un peu quand même sur la lancée que j'ai relancée en fin d'année dernière. Et puis voilà, bah, on va, comme vous le savez, continuer ce magnifique jeu qui est les Chevaliers de Baphomet 4. Voilà. Les quatrièmes aventures controversées de George Stobart et de Nicole Collard, qui je ne sais plus où est-ce qu'ils étaient la dernière fois qu'on les a laissés. Ils étaient au Vatican, si c'est vrai, ils infiltraient le Vatican. Échappés aux brigands et aux curés malveillants. Salut Max Zilla, pardon. Et voilà, on va continuer ça tranquillement. J'espère pouvoir refaire ça un peu plus régulièrement, parce que la semaine dernière, j'ai absolument pas eu le temps de streamer. Et les seuls moments où j'ai eu du temps, bah, j'avais envie de me reposer, parce que j'avais une petite semaine bien chargée. Et donc voilà, ma vie n'est pas très passionnante. Comment allez-vous ce soir? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Est-ce que vous avez pas envie de le dire? Est-ce que vous avez envie que je ferme ma gueule et qu'on aille directement au jeu? Bonsoir, c'est Xy Backseat. Non. Encore une fois, j'ai rien contre ça. Hein. J'ai rien contre le projet. J'ai aucune animosité envers Jean Massier. Il y a des gens dedans que j'aime bien. Mais juste à un moment donné, faut pas non plus foutre de la gueule du monde, quoi. C'est un problème que je trouve qu'il y a dans le milieu global du streaming. Salut. Eldo, bonsoir à toi. Je ne t'avais jamais vu, il me semble, mais bonsoir à toi. NSPP sur la santé, on voit le genre. D'accord, très bien. Salut Samy. J'attends un peu quand même qu'avant que les gens voilà, s'installent et tout. Mais ouais, ce que je disais, je trouve qu'il y a vraiment ce problème dans le milieu du streaming, surtout des gros streamers. C'est qu'ils lancent des trucs avec parfois plein de problèmes qui sont très visibles. Mais on ne leur dit rien. Et c'est un problème, je trouve. Et ça l'illustre encore une fois. Et encore une fois, vraiment, je veux pas voir ça capoter, ni rien. J'ai aucun intérêt à ce que ça foire, mais à un moment donné, il faut mettre des stops, quoi. Tu vois, moi, je me faisais cette réflexion. Alors, dans un tout autre domaine, hein. Dans un tout autre domaine, je passe jamais, mais ça fait longtemps que je te suis sur Twitter, ça fait plaisir de pouvoir regarder. Ça fait plaisir. Installe-toi, j'espère que ça te plaira. Moi, on est une petite commu ici, voilà, pas très grosse, mais on s'amuse bien. Et on passe toujours de bons moments, je trouve. Mais ouais, donc je disais, un peu, alors dans un tout autre domaine qui est cette fois-ci beaucoup plus grave, quand j'avais vu l'interview de Ultia, j'allais la confondre avec Magla, je sais pas pourquoi. Quand elle disait bah voilà, qu'elle avait porté plainte contre X, contre les innombrables messages horribles qu'elle reçoit X temps. Et dans l'interview, ce qui est incroyable, c'est que c'est dit de façon claire que tout a démarré du Zeven de pas l'année dernière, mais de l'année d'avant. Et le truc, c'est que... Et elle explique que, genre, oh là là, purée, j'ai pas envie d'y aller cette année, j'y vais la boule au ventre, etc. Et moi, je me dis, mais c'est pas normal, en fait. Enfin, évidemment, tout le monde se dit ça, mais... C'est juste que...
Genre, personne n'a rien fait pour, tu vois, pour la rassurer, pour lui garantir qu'elle sera pas emmerdée, etc. Pour elle, c'était une frayeur d'y aller. Et voilà, ça a l'air de soulever aucune interrogation, ça a l'air de soulever pas grand-chose. Je fais bon, bah écoutez, oh bah d'accord, que je veux. Je fais très mal Pierre Palmade, pardon, désolé. Donc voilà, non, c'était juste pour réagir un peu, parce que comme j'ai, voilà, je sais pas si vous avez vu sur Twitter, je me suis un peu énervé sur le fait que Jean Massier demande du visuel de merch gratuit. Non, on ne demande pas du travail gratuit, surtout quand les gens sont payés. Surtout quand tout le monde est payé, mais que tu demandes à tes fans de t'envoyer du truc gratuit pour financer ton projet à toi, qui n'est pas un truc associatif, qui n'est pas quelque chose de à but non lucratif. Hein. Non, je suis désolé. Dans le milieu professionnel, si on joue le jeu jusqu'au bout, bah on paye les gens qui travaillent, quoi. Je suis désolé. Voilà, c'est comme ça que voilà, les gens se font avoir dans le voilà en termes de salaire, en termes de paye, parce qu'on leur dit mais dis donc, tu te rends pas compte des avantages que ça a à côté, et blabla, etc. Et les gens l'avalent, les gens l'avalent, et surtout les plus jeunes. Mais faut pas accepter ça, hein, jamais. Voilà, donc c'est pour ça que moi je mets un point d'honneur quand même à ce qu'on fasse pas ça. Voilà. Cet entretien, le fait que les gens s'imaginent que que tous les métiers et l'audiovisuel sont pas des vrais métiers. Moi, je fais du montage, c'est facile. Alors, je fais pas payer quand on te demande. Ah non, c'est le montage. Rien que ça, là, ce qu'on fait. Pourtant, tu vois, c'est juste. J'ai pas de but professionnel là-dedans. Mais ça m'a demandé de l'investissement. Faire l'habillage et tout, ça m'a demandé du travail. Alors, après, c'est mon travail, donc c'est pas un problème. Recevoir les gens dans des bonnes conditions, c'est vraiment du travail. Enfin, c'est. Et encore, c'est vraiment les bases du travail. Les gens qui font du montage à côté, voilà, genre qui font des trucs YouTube, etc. C'était déjà un débat à l'époque des débuts de YouTube. C'est ah oui, mais c'est pas un vrai métier. Bah non, je suis désolé. Tu fais de l'écriture, tu fais du montage, etc. C'est du vrai travail. C'est juste que c'est des mecs bah, qui passaient pas par une entreprise à l'époque. Et du coup, on voyait ça un peu comme un truc, une activité parascolaire, tu vois. Enfin, mais non, pas du tout. Il a fait ça en même temps, je suis pas hyper surpris. Bah. Pff. Voilà. Heureusement qu'ils vont repasser un event plus petit. Ils ont fermé les yeux sur les streamers problématiques pour battre leur cœur. C'est exactement ça que je reproche. Je sais pas ce qu'ils vont faire pour le prochain, pour la prochaine édition, parce qu'il a dit que ce serait plus cette forme-là. Mais ouais, c'est. Enfin, il y avait vraiment plein de choses. Moi, le truc qui est arrivé à Ultia, enfin, clairement. Zerator, il aurait dû se lever et dire stop, on arrête. Il a rien fait. Et il y a plein de gens qui m'ont répondu, ah mais tu voulais qu'il fasse quoi? Bah je suis désolé, c'est ton événement. Tu gères en live et aussi après. Et la preuve que ça n'a pas été fait, c'est que Ultia disait qu'elle y allait la boule au ventre. Donc c'est vraiment. Si quelque chose a été fait, ça n'a pas été efficace en tout cas. Mais voilà, enfin, je sais pas. Et moi, c'est vraiment quelque chose. En fait, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'interroge en fait dans le milieu du streaming. Après, c'est beaucoup expliqué par les relations parasociales, le fait qu'on a l'impression que c'est des potes et tout. Mais faut vraiment mettre un terme à tout ça parce que les gens, genre dès que t'es émis la moindre critique, même légitime. Et je dis pas que j'exagère pas des fois, mais j'estime toujours faire des critiques qui ont un fond légitime. Et à chaque fois, je m'en prends plein la gueule, quoi. Je sais pas, je comprends pas. Enfin, je suis pas le seul, hein, mais c'est quelque chose, moi, qu'il faut qu'on arrête, quoi. Genre, les streamers sont pas intouchables. Mon meilleur lieu du stream. Ah non, mais. C'est vraiment. Tout ça, c'est vraiment un souci, hein. C'est. Voilà, les. Mais globalement, les. Enfin, voilà, enfin. Les fans, déjà, de toute façon, j'ai déjà des problèmes avec des fanbases de quelques domaines que ce soit. Mais alors là, je trouve que le stream, c'est encore pire parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun recul. Et encore une fois, je déteste pas ça, hein, j'ai aucune animosité envers ces gens, etc. C'est juste que vraiment, il y a des problèmes, et c'est réglé. Et c'est pas juste des avis de vieux cons qui sont jaloux, qui sont ci, qui sont ça. Non, c'est nous, on aimerait bien. Il y avait eu des articles à l'époque, là où il y a eu le event, où il y a eu des problèmes avec Ultia. Qui disait, bah non, nous on adore le event, on aimerait juste
le regarder et que ça se passe bien, quoi. C'est ça, hein. C'est ça, hein. C'est juste ça, le truc. Oui, c'est... On aimerait que ce genre de truc se passe bien et qu'il n'y ait pas de... ce genre de bail, quoi. De tous les domaines qu'il y a. Voilà. C'était juste pour... Putain, j'allais imiter Midi, c'est... ça va pas du tout. Bon, si vous venez d'arriver... Et nous, en tant que viewers, on peut faire quoi à part râler? Bah, déjà, comment dire... ne plus regarder ces gens. Parce que... c'est... Quand il se passe des choses... et que c'est pas ok, bah on a le choix aussi de ne pas regarder. Et si on est en masse à le faire, bah... voilà, il y a moins de spectateurs, il y a moins de spectatrices. Enfin, un impact aussi, hein. C'est comme cette espèce de débat sur le faut-il boycotter la Coupe du Monde ou pas. Disons qu'ils disaient, oh, non, ça sert à rien, etc. Blabla, bah non, je suis désolé. Un événement tel que celui-là, ça vend de la pub. Et moins... Et alors, vous me direz, les marques, elles ont déjà de la thune, etc. Mais elles en ont jamais assez. C'est ça le truc. C'est que, et moins il y a de gens pour voir la pub, moins les annonceurs sont contents. Voilà, et c'est un peu pareil dans le domaine du streaming. Salut Léon Zitron. Léo Zitron, pardon. Je sais pas pourquoi je sais pourquoi je t'appelle Léon, parce que j'ai... Par réflexe, j'ai Léon Zitron dans la tête, mais c'est pas ça. Bon, voilà. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Est-ce que vous voulez qu'on débatte un peu de ça? Ou est-ce que vous voulez qu'on se lance directement à l'assaut du Vatican? Voilà, pour foutre des coups de pied au cul à Benoît XVI. Non, c'est plus Benoît XVI, c'est comment il s'appelle, le pape François. Salut, Rebondiboule. J'adore ce pseudo. J'adore ton pseudo, Rebondiboule. J'ai une chose à rajouter, tout brûlé. Bouli, elle est de l'autre côté. J'étais en train de lui faire des papouilles, des gratouilles pendant l'écran d'attente. Parce qu'elle réclamait. Dans le cas du travail gratuit à Backseat et les différents problèmes du récent, c'est vrai que c'est insupportable de voir qu'il ne faut surtout pas critiquer tellement convaincu de faire quelque chose de bien ou d'important qui se mettent eux-mêmes sur un piédestal. Ouais, ça c'est ouf. Et vraiment, enfin, moi je trouve, je suis désolé, mais la campagne de crowdfunding de Backseat, elle est bardée de problèmes, quoi. Vraiment. Je pense qu'il a vraiment surestimé sa commu. Ah, récent, Zerilzeven, d'accord. Damien XVI, oui, non, le pape Damien XVI, putain, ça serait à la fois énervant et rigolo qu'il y ait le pape Damien XVI. Mais ouais, c'est très vite un souci, ça, justement, les mecs qui se mettent sur un piédestal comme ça. C'est toujours... c'est parce que t'as en même temps... Je suis persuadé qu'il y en a plein qui ont vraiment l'envie sincère de ne pas tomber là-dedans. Mais en fait, c'est tellement grisant qu'en fait, tu peux te faire attraper assez rapidement, quoi. Qui se souvient d'Acropolis? Alors, j'ai jamais connu, moi, ça, Acropolis. Je sais que bah ça s'est terminé, je sais pas trop comment. Mais c'était un truc de Jean Massier, ça aussi, non? Où il était juste... où il travaillait juste à Acropolis. Oui, j'ai pas vu. C'était un truc qu'il avait monté, Acropolis, ou... Ça je connais juste vaguement. Salut, Neolabs. Yo, yo, yo. Yo, les jeunes. Ça pulse ou quoi? Tout le monde est parti et la chaîne a été rename. D'accord. Ok. Ah oui, genre, ça s'est mal fini. Ça, j'avoue, j'ai pas les bails. Hein. Et après, bah voilà, c'est fini, quoi. Ouais, Polly, je pense qu'elle viendra s'afficher d'ici dans la soirée. Bon, il est déjà 21h50. Moi, ce que je propose, c'est d'aller au jeu. Et on continuera la conversation. Si vous le voulez bien. Non. Attendez. Si. Et oui. On continuera la conversation si vous le voulez bien. Hey. Oui, c'est bon. J'ai pas regardé Acropolis, mais il a l'air de s'attribuer la paternité du truc, d'accord. Toujours présenté comme Jean Massier ex-Acropolis, et j'avais jamais compris pourquoi. Bah, je me rappelle que sa chaîne avant s'appelait Jean Massier d'Acropolis. Ah non, merde, attends. Hop. Entendez-vous le jeu? Après ça, je sais pas trop, mais souvenir les autres avaient monté une chaîne, d'accord.
J'ai pas, je me rappelle pas. J'avoue que j'ai pas du tout suivi ça, cette histoire de, d'Acropolis et tout. Hein. Moi, Jean Massier, je l'ai vraiment découvert quasi littéralement avec Backseat. Voilà. Alors, je sais pas où on en est dans le jeu. Je sais pas si on est loin de la fin ou pas du tout. Parce qu'on a quand même pas mal bourlingué. Mais voilà, on en est à 12 heures de jeu, comme vous pouvez le voir. Mais je sais pas du tout si on est encore loin de la fin, sachant que... Pardon, ce genre de jeu, enfin en tout cas sur cette série, ça peut être long. On est sur le menu là, donc loin de la fin je dirais, certes. Certes, rebondit Boule. J'adore prononcer ton pseudo. Allez, on y va. J'aime bien comment ils disent monastère romain. C'est le Vatican, les gars. Bon, on s'était introduit là-dedans. Avec, et je crois qu'on n'a pas vu grand-chose de plus. Je crois que toutes les portes sont littéralement fermées. Si vous vous rappelez, dans l'épisode précédent, on s'est fait passer pour un inspecteur de l'hygiène dans une usine d'hostie. Aucune chance tant que cette barre est en place. Ok, bon. Est-ce qu'on a des trucs qui peuvent la bouger ? Monastère et Drum, juste un micro-état sans plus. Personne n'est à base de garde suisse. Ah non, on n'a pas cette possibilité-là. Previously. Putain, si vraiment j'avais pas la flemme, je le ferais. Des Previously. Je ferais même une bande-annonce pour ma chaîne, mais j'ai... C'est pas la flemme si je saurais pas quoi faire en fait. Ah, s'il y a des choses sur la table. Non, il y a juste des portes. Je crois qu'on peut pas, on peut pas y accéder. On était venu par là. On était venu par là, hein, je crois. Je suis entré pour jeter un œil. Je ne vais pas sortir voilà. Pour me faire prendre. Donc on était là. Une grande et lourde porte qui mène probablement à la section principale du monastère. Je vais te faire de la bande-annonce gratuite, ça te fera de la pub. Hors de question que tu bosses gratuitement. Verrouillé. Le Previously serait juste un best-of de Poly qui débranche les câbles. Non, elle le fait plus trop, ça. Elle le fait plus trop, mais j'avoue qu'au début, c'était compliqué. Verrouillé. Évidemment, verrouillé. Alors, il y avait quoi ? Mon pauvre Gundam, il est dans un coin de mon bureau, il arrête pas de tomber. Les Gunpers, c'est chiant, ils arrêtent pas de perdre des morceaux. Ça me casse un peu les couilles, quoi. Je crois que j'ai paumé un morceau en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? Cette porte donne sur les cloîtres. Je me ferai repérer en un rien de temps. À chaque fois, il y a des petits bruits derrière, j'ai toujours l'impression que c'est pluie. Ok, donc là, on revient dehors, donc pas la peine. Ah si, je me rappelle qu'il y avait... Il y avait l'espèce de bibliothèque, là, avec un... La porte est fermée à clé, inutile d'insister. Avec un tableau. Sur lequel il fallait faire je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'il y a par là? J'avais pas vu qu'il y a une porte. Une grande et lourde porte qui mène probablement à la section principale du monastère. Ouais. Les cow-boys. Verrouillé. Putain, mais tout est verrouillé dans ton truc. Non, la manière de faire la lumière qui passe les fenêtres. Tiens, attends, j'ai pas regardé. Ah, c'est genre, c'est des PNG, c'est des gradients de PNG, t'imagines ? Des PNG de gradient plutôt. Enfin de grade. Oh là là, de dégradé. J'essaie de causer français un petit peu. Rentre, merci. Allez Camille, comment ça va? Comment qu'il va? Il va bien. Écoute, on vient juste de commencer. On est tranquille, on est posé. Et toi, comment vas-tu? Est-ce que tu es bien reposé de la game jam? Ça va, ça va.
Game Jam dont j'ai affiché le poster. Alors on voit pas sur la porte de ma chambre, mais elle est bien là. T'as bien dormi? Eh bien écoute, tu m'en vois ravi. Car c'est important de siester. Moi aussi j'ai bien siesté, c'est pour ça qu'on est tard. Sur tous les sujets possibles. Et ce ne serait pas une première édition de Guerre et Paix? Vas-y, vole-le. Je ne suis pas venu ici pour bouquiner. T'as marqué que le poster c'était des gens qui font de la chimie. Oui, tout à fait, car je suis un être très intelligent avec un énorme cerveau. Édité chez Plon, j'ai hésité à la faire, Léon Zitrone. Je ne suis pas venu ici pour bouquiner. Oh, ça va. Donc ici, il faut faire, parce que j'avais regardé des trucs. J'ai regardé des trucs dans ce tableau où il se passe globalement des choses. C'est pas la chute de Rome, le tableau, c'est une bonne question. Je suis très nul en tableau. Attends, peut-être qu'il va le dire. L'arche d'Ashdod, un tableau saisissant. L'arche d'Ashdod, je ne sais pas qui l'a fait. Le Seigneur plongea le peuple d'Ashdod dans le désespoir. L'arche du Dieu d'Israël, dirent-ils, ne doit pas rester ici, car sa main s'abat avec force sur nous et sur notre Dieu, Dagon. Dagon. L'arche fut placée dans le temple de Dagon. Le lendemain matin, le temple d'Ashdod vit la statue de Dagon, écroulée au sol, au pied de l'arche du Seigneur. Le cadre avec les petits squelettes, il est BG, j'avoue. Sur la gauche, la représentation d'un ange sculpté dans le tableau. Il y a une fissure autour de son cou. Mais il n'est pas biblically accurate. Dans le tableau, la gravure d'un ange assis sereinement en bas à droite de l'image. Il y a une grosse fissure autour de son cou. Pourquoi graver ça? Alors, est-ce qu'on peut y mettre des choses? Le Seigneur plongea le peuple d'Ashdod dans le désespoir. Il les frappa de tumeurs et leur ville fut envahie par les rats. Salut Rio. C'est étonnant qu'ils aient rendu l'arche aux Israélites. Donc là, vous voyez, on est dans la partie fun. Le Seigneur plongea le peuple d'Ashdod dans le désespoir. Il les frappa de tumeurs et leur ville fut envahie par les rats. Pas étonnant qu'ils aient rendu l'arche aux Israélites. Je n'ai pas trouvé qu'on pouvait passer les... Claire, on s'éclate. Ah, ça va, il y avait des petits problèmes d'orgue. Ah, c'est rien. Les corps sans vie d'une mère et de son enfant. Sous le regard d'un autre enfant vivant, celui-ci. Quelle horreur! Grosse déglingue. Bon, est-ce que j'ai tout vu? Homme en train de discuter. Je suis sûr qu'on peut faire un truc avec les anges là, parce qu'ils ont pas des. Ils ont pas des fissures pour rien. Attendez, qu'est-ce qu'on peut mettre? J'ai toujours mon salami, hein, pour info. Sachez-le. Aucune chance d'y arriver. Ok. Alors, si quelqu'un pouvait reprendre la Solus près de lui, ou près d'elle, ce que je sens à nouveau... À certains endroits, je vais en avoir besoin. Et oui, le véritable héros de ce jeu, c'est le Salami. Car il est toujours là. Le truc, c'est que je... Attends. Sur la gauche, la représentation d'un ange sculpté dans le tableau. Il y a une fissure autour de son cou. Salut, Zbeb. J'espère que tu vas bien. Désolé, là... L'imitation de ton accent n'était pas volontaire. Enfin, si, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait par un esprit malfaisant. C'est juste que des fois je le fais par réflexe et je sais pas pourquoi.
Je passe mon tour pour ce soir. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, triple rasme. T'as remarqué les fissures sur les anges ou pas? On est à Rome, c'est ça, dans un certain micro-état qui n'a pas de nom. Le truc, c'est que je suis sûr que ça sert à quelque chose. Ça ne marchera jamais. Ah oui, d'accord, donc ça. Je n'ai aucune raison d'essayer ça. Oh, juste pour vandaliser un tableau original dans le Vatican, Georges. On va quand même se déplacer, voir s'il n'y a pas autre chose. Des choses intéressantes. Avec les tiroirs magiques. Salut, oncle Fernand. Bienvenue à toi. Attends, est-ce qu'on peut ouvrir des tiroirs précis? Là, il y a un truc, mais. Ah, bah voilà, putain, c'est juste que. Oh là là. Un dossier portant le nom d'Anna Maria en couverture. On dirait qu'on l'a mis là pour me tenter. Bien sûr que c'est. L'envie de regarder est presque insupportable. Tu vas le faire, Georges. Arrête de faire genre. Vous voyez là, regardez, on voit qu'il y a un truc qui dépasse là, et la zone. Voilà. Hola, tavernier! Me voici! Bienvenue, Rand. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Bienvenue, Random Twins. Bon, qui c'est qui va me choper, hein? Évidemment, toi, genre l'autre, il se balade Que comme si c'était faites-vous chez lui. ici? Fourniture de bureau, inspection de routine. Je m'assure que ce tiroir n'a pas de problème. Quoi? Monsignor et Devlin. Alors, Oncle Fernand, c'est le quatrième Parfait. épisode des Chevaliers de Vous avez une Baphomet. remarque à faire au service après-vente? Vous m'avez appelé, votre éminence? Reconduisez cet homme jusqu'à la sortie. Je pense qu'il s'est perdu. Non, non, il est juste venu voler des trucs. Oh, une dernière chose. Que savez-vous sur Anna Maria? Quoi? Faites-le sortir d'ici, tout de suite. Oh, cette Bien sûr, les portes modélisation. sont bien fermées. Que cela ne se reproduise pas. Ah, Père Grégor, son éminence, c'est une tempête dans un verre d'eau, mon père. Incroyable. Fourniture de bureau, c'est tout ce que vous avez trouvé. Oui, pas terrible. Vous êtes quoi, journaliste? Avocat. Et quels sont vos rapports avec cette Anna Maria? Je l'ai connue à New York. Elle avait des tueurs à ses trousses. Extraordinaire. La mafia, vous vous rendez compte? Enfin bref, j'ai su qu'elle avait travaillé ici. Dites-lui, monsignore. Donc oui, c'est le quatrième épisode des Chevaliers de Baphomet qui est une célèbre série de point and click. Elle a travaillé ici, un épisode que j'avais jamais fait, jusqu'à aujourd'hui. Il y a 2 ans, elle a volé des manuscrits et s'est volatilisée. Le scandale n'a pas été ébruité. Le cardinal était furieux, il a juré de la retrouver et de la traîner en justice. Ses colères sont terribles. Oui, j'ai remarqué. Nous avons toujours craint le pire, pauvre enfant égaré. Mais il n'y a pas de place pour le scandale ici, monsieur. Tenez, voici ma carte. Je vous en prie, pas de publicité. Je comprends. Merci Volmar. Monseigneur. Bienvenue à toi. Au revoir. T'avais vraiment genre ça se finit comme ça quoi. Il a juste chopé un bouquin. Bon, on dirait que j'ai fait des progrès vers la vérité dans cette affaire. Et au moins, Anna Maria n'était plus officiellement dans les ordres quand on a. Il faut que je rejoigne. Quand t'as fait le sexe, Georges. Quand t'as fait le sexe. Eh, hey Nico, j'ai trouvé des trucs sur Anna Maria. Ah bon? Eh bien, ce n'est pas une bonne sœur. Enfin, plus maintenant. J'étais arrivée à la même conclusion. Ce serait étrange pour une bonne sœur d'avoir un rayon entier de traités sur la physique ouais, des particules. Un rayon entier, elle a 3 bouquins. Calme-toi. Sauvegarder. Donc la grosse porte là au sol, elle servait à rien en fait. Alors ouais, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas le 3 et apparemment le 4 aussi, parce que voilà, faut pour ceux qui connaissent pas, à la base c'est les deux premiers sont en 2D
donc avec des trucs qui font très dessin animé, etc. Et parce que c'était et le troisième, bah parce que c'était voilà, à l'époque la PS2, Xbox, etc. La 2D c'était devenu un peu un gros mot dans les studios de jeux vidéo, et donc bah fallait faire un truc en 3D et c'était pas leur fort quoi. Mais alors du coup c'est fait, effectivement ça en perd un peu, ça perd un peu de son charme, ça perd un peu de ses mécaniques d'énigmes, etc. Mais hey, Nico, j'ai pas passé un mauvais moment. Pour faire quoi, Georges? Ah ok, bon. Bon, faut faire quoi du coup? Faut que j'aille quoi? Ah, attends, est-ce qu'il faut que je refasse du piratage de je sais pas quoi? Attends, du coup, j'ai récupéré le dossier ou pas? Non? Même pas? Attends, c'est quoi ça? Carte de visite de Grégor. La carte qui m'a été donnée par le père Grégor. D'accord, est-ce que je la donne à Nico? Est-ce qu'il faut que je fasse un truc? Ce n'est pas la bonne approche. Attends, est-ce qu'il faut... Est-ce que j'ai du piratage à faire? Est-ce qu'on est des petits pirates informatiques? Non, tais-toi. Check de connexion. Bon, non. Salut Yania. Je viens de manière random, on est exactement au même endroit que la dernière fois. Il y a toujours le saucisson. Le salami STP. Le salami. Non, là, on vient de se faire tèche du Vatican. Voilà. Mais du coup, ok, faut que je fasse quoi, donc? Pas bien, parce que là, j'ai rien, en fait. Salut, Pixel. Et ouais, la différence... Faut pas mégenrer la charcuterie. Est-ce que j'ai raté un truc là? Parce que genre on est vraiment revenu à l'appart et c'est genre ok vas-y démerde-toi quoi. Pure production italienne. Eh hey Nico, tu peux me donner un coup de main? Pour faire quoi, Georges? Ok. Qu'est-ce qu'on a? 75 kilos? Ce régime marche du tonnerre. Les chaussons, c'est très révélateur. Des révélateurs de quoi? Je les aime bien, mais pas à ce point. Jolie lecture de chevet, ma foi. 75 kilos avec le salami, tout à fait. Avec un bon kilo de salami. Retenez ça, les chaussons, c'est... Lecture de chevet, ma oui, foi. Tais-toi. Les chaussons, c'est très révélateur. Les chaussons, c'est très révélateur. Rien. Oui, très bien, mais est-ce que tu pouvais me donner un peu un indice sur ce que je dois faire là? Non, tu veux pas? Les chaussons sans dit long sur réfléchir. Alors que je viens de rentrer, mais pour aller où? Attends, c'est peut-être ça, hein? Non, mais t'as peut-être raison. On vit dans un chausson. Attends, il avait pas reçu un colis? Que l'autre, il avait... Avec ses gants. Oh, rebonjour! Ça va, la petite vie à Rome?
On fait aller, merci. Où tous les chemins mènent, hein? Exactement. Et que puis-je faire pour vous? Marc, je peux vous poser quelques questions? Ne mâchez pas vos mots, George. Ça ne vous ressemblerait pas. J'ai cru qu'il y avait une sonnerie de téléphone, dans le fond. Avez-vous vu Anna Maria depuis notre dernière conversation? Non, mais d'un autre côté, elle a toujours été assez discrète. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Vous avez dit avoir un paquet pour Anna Maria. Voulez-vous que je le prenne? Vous me prenez pour un fou. Pourquoi je vous donnerais à vous un paquet pour Anna Maria? Elle nous permet de rester dans son appartement. Cette lettre émane du Vatican. Ça tombe bien, je connais des gens. Vous ne voulez vraiment pas que je voie ce paquet? Je ne l'ouvrirai pas. Et le diable a-t-il des cornes? Vous ne voulez vraiment pas que je voie ce paquet? Je ne l'ouvrirai pas. Et le diable a-t-il des cornes? Ok. Alors Marc, vous avez réussi à nettoyer votre voiture? Juste ciel, quelle épreuve! J'ignore ce que ces oiseaux avaient mangé, mais cela sentait encore plus mauvais qu'Archie. Et la couleur! Je ne savais pas que cette nuance de vert existait. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Et où chaton? Attendez, parce qu'il y a Polly. Chachon, t'es où? Alors, je t'entends, mais je te vois pas. Viens là, chaton. Oui, tu fais des roulades par là, mais moi, je peux pas venir. Oh là là! Attendez deux secondes, attendez. Maman, bah oui. Viens dire bonjour aux gens? Viens dire bonjour aux gens. Leur faire des belles roulades. Coucou! Coucou! Voilà! Moi, oh là là! Je suis malheureuse! Non, tu veux pas? Non, elle boude. Ah, désolé, quand elle fait des roulades par terre, c'est qu'elle veut des gratouilles de toute urgence. Et bah, voilà, vous connaissez. Vous savez ce que c'est? Alors, j'espère Merci, qu'elle reviendra. Soldat. À votre service, camarade. Merci, soldat. Pourquoi soldat? Tiens, est-ce qu'il... regarde, tiens, regarde ça. Regarde ce que je connais. Je sens qu'il est temps de vous révéler un petit secret, Marc. Oh, George, je le savais. Ne vous en faites pas. Vous pouvez tout dire à tonton Marc. À tonton Marc. Je suis membre de l'équipe des enquêtes internes du Vatican et j'agis sous la fausse identité de Père Grégor. Voici ma carte. Mais vous êtes américain? Peut-être, mais je suis surentraîné. Bigre. Il faut que vous me fassiez confiance et que vous m'aidiez. C'est de la plus haute importance. Je travaille au sommet. Le sommet, vous comprenez, Marc? Vous voulez dire... Oui, je veux dire... Le gros bonnet? Lui-même. Vous voulez entrer dans l'équipe, Marc? Je vais dépenser de points de chaîne pour lui gratouiller le bidou voulez, si besoin. Toute ma vie, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse des trucs de points de chaîne. Bon alors, est-ce que tu me le files ton... Rebonjour. Ton paquet. Salut, Marc. Titre. Bon, maintenant que vous savez que je suis membre de l'équipe des enquêtes internes du Vatican, puis-je prendre possession du paquet pour Anna Maria? C'est sur elle que vous enquêtez? C'est top secret, Marc. Mais s'il s'agit d'un paquet compromettant pour le Vatican, il ne doit pas me quitter pour raison de sécurité. Ah, je comprends, le voici. Merci, c'est vraiment Marc. L'homme mille visages, Georges Tobart. Vous sauront quel rôle vous avez joué dans tout ceci. Vous voulez dire... Très haut placé, Marc. Au plus haut, en fait. Oh oh. C'est vraiment pas cool, Marc. Il va se faire des Merci, idées. Marc. De rien. Il est débile, Marc. Non, mais ils sont tous débiles parce que George, il peut se ramener en t-shirt et faire « Hey, je suis littéralement le pape. » Il y a des gens qui vont le croire. Petite vidéo réaction de Poli qui se fait gratouiller le bidon récompense des points de chaîne. Tu ne pourras plus streamer tranquille. Non, il faudrait que j'essaie de faire des trucs comme ça, quoi. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Un paquet tout simple adressé à Anna Maria. À l'intérieur, un DVD sans signe distinctif et pas de message l'accompagnant. C'est une sextape! La sextape du pape! Une simple copie de DVD. Alors est-ce que je vais l'utiliser sur cet incroyable ordinateur multimédia moderne? Voyons s'il y a quelque chose sur ce DVD.
Et pour conclure, alors que jusqu'ici le cadeau idéal était le diamant, voici que l'or fait un retour en force. Il ne s'agit pas de l'or dont on fait des colliers ou des bijoux, non. On peut utiliser nos points de chaîne pour lancer le prout de la Soundboard. Je n'aurais pas relié ça, mais on peut le faire gratuit. Avec notre correspondante Suzy. Angie, je suis ici dans le désert en compagnie de Ronald Ménard, un homme remarquable dont la découverte pourrait changer le destin de l'humanité. Racontez-nous, Monsieur Ménard. D'accord. Depuis mon enfance, je me passionne pour les histoires d'alchimie. Vous savez, ces légendes de métaux vulgaires que l'on change en or. C'est ce qui m'a poussé. Un VTEC ou une PS1 avec l'écran intégré, oui. J'étais dans le coin, il y a environ 3 ans, à chercher des cristaux, quand j'ai trouvé cette poudre. Une poudre blanche un peu. Enfin, dans un sens. Non, mais faudra que je demande. Je te demanderai peut-être un peu d'aide, Pixel. Mais pas pour faire des trucs comme ça, mais faut que je réfléchisse à quoi faire, surtout. Alors j'ai fait des expériences, et au final, c'est bien de l'or. Mais un or très différent de ce que l'on connaît. On peut s'en servir pour voler, ou pour soigner les blessures, ou qui sait, pour aller dans un autre univers. Vous savez, les Égyptiens ont laissé des écrits là-dessus. Le mana divin. Enfin bref, c'est ce que j'ai fait. Georges Chopin en train de fouiller dans le tiroir sous-vêtement du pape. Eh, hey, aucun problème, je suis inspecteur général des slips du pape. Donc, garde du pape, oui, ça me semble logique. De cette substance miraculeuse à l'humanité. Quoi? Vous délirez? Pas du tout. Je n'ai jamais dit ça. Je compte la vendre. Oui, évidemment. Francs. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ces gens de la côte est. Ha! Oh, quel dommage. Ils sont pauvres. Ils ont un problème de liaison. Ils veulent faire tout gratuit. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. D'ici là, bonne continuation. Alors que je suis un infâme capitaliste. On a donc une histoire à dormir debout à Phoenix. Pourquoi envoyer ça à... Je pense qu'il y a un lien avec les livres, Georges. Études géologiques de la région de Phoenix, manuel relatif à l'extraction et à la purification du minerai. Donc Anna Maria est allée souvent à Phoenix. Et elle étudie l'or monoatomique. Je ne comprends pas. C'est littéralement Full Metal Alchemist à mes yeux. Je pense que la réponse se trouve à Phoenix. Tu penses qu'on devrait y aller? À ce labo? Moi j'y vais. Et si elle est là-bas? Je lui envoie ta bénédiction. Désolé Georges, j'ai pas pu résister. Je file à l'aéroport. Et toi, tu vas faire quoi? Chercher des indices, parler aux gens. Sois prudent. On reste en contact. Mais où ça? Attends, cette usine à Phoenix est sûrement bien gardée. Je vais te filer un truc de hacker. Je suis épaté. Tu as suivi des cours du soir? Il faut vivre avec son temps, Nico. Je vois ça. Bon. Reste à l'écart des bonnes sœurs en mon absence. Toujours le mot pour rire. À plus! J'attends les portes qui s'ouvrent et qui se referment toutes seules. Ça me flingue. Ah, du coup, on continue à jouer George. D'accord. Mais pour faire quoi, au juste? On va se prendre une douche. Ah non, faut peut-être ressortir, du coup. On va aller dehors, on va voir ce qu'il y a. Là, j'imagine qu'il n'y a plus rien à faire. J'adore les déplacements automatisés où les personnages se cognent quand même dans les murs. Ah ouais, ça c'est du... ce qu'on appelle un mauvais pathfinding. En bon anglais. Alors, est-ce qu'on peut aller quelque part? Où dois-je aller? Eh ben on peut aller nulle part ailleurs, hein. Mon petit Antoine. Formidable. J'ai vraiment perdu le mojo en imitation. Et pourquoi pas au Vatican? Bon, allez, on y retourne. Je sais pas pourquoi ils foutent, mais... Blague de yeux, bah oui, en même temps. Hein. J'ai 40 ans l'an prochain, ma chère Camille. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, on est d'accord car il n'y a plus rien à foutre ici. Où dois-je aller? Eh oui, terrible.
Je vais retourner à l'appartement d'Anna Maria. Ça va enchaîner. C'est la sorte de Chirac au bébé de chaud, là. Je vais te casser la gueule. Je croyais vraiment qu'on allait enchaîner avec Nico. Mais faut croire que on en a rien à foutre finalement. Appelez-moi Dieu. Bien. Très bien, mais je dois faire quoi là? Ah, t'as impressionné, hein, Camille. L'homme aux mille voix, on m'appelle. Alors, juste dis-moi, Rigo, si c'est dans l'appart ou si c'est au Vatican, les énigmes à résoudre, s'il te plaît. Parce qu'évidemment, du coup, je me doute qu'il y a des trucs à résoudre. Mais comme là, on me laisse un peu en plan. J'adore le... l'abat-jour mis à l'envers. Je... comme on m'a un peu foutu... on m'a un peu laissé là. Sans dire quoi que ce soit. Bah, c'est un peu... C'est pas dans l'appart, mais pas au Vatican. Pas au Vatican tout de suite. D'accord, ça m'aide vachement. Bah, j'imagine que c'est dans la rue, alors. C'est où j'adore les petits clics, mais suis. Ouais, non, il a vraiment des problèmes de. Il a vraiment. Le design des énigmes est pas. Il est pas bien foutu. Alors. Est-ce qu'on peut. Faut que je reste. Il y a quoi à faire dans l'immeuble? Il faut que je retourne voir... Il faut que je retourne voir l'autre, là? Marc? C'est autre chose. Non, évidemment. Rebonjour! Salut, Marc! Rebonjour. Rebonjour. Salut Marc. Ok, donc. Merci Marc. De rien. Salut. C'est ça. Salut, voisinou. Impossible. Qu'est-ce qu'il faut que je lui montre? Il faut que je lui remonte ma carte d'agent secret. Aucune chance d'y arriver. Ok. Que tu veux une hostie? Est-ce que tu veux une hostie, Marc? Je n'ai aucune raison d'essayer ça. L'hostie de Calice. Eh, allez! Ah, attends, hop, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une image de chat dessus. Ok, très bien. Tu vois, ne peux pas comprendre le concept d'un DVD. Ça ne marchera pas. Ok. Allez, mais... L'inventaire qui apparaît une fois sur 1000. Est-ce que tu veux la photo Bon, Marc, je suis sûr que vous aimeriez avoir une photo de Lucy Chu comme celle-ci. Ce que j'aimerais avoir, c'est quelque chose d'un peu plus personnel. Il y a une image de Pauline. Quelque chose qui dise « Je t'appartiens ». Calme-toi. Calmos, mon père. Une souche de billets d'avion. Attends, j'ai un truc. Hein. Oh putain, Est-ce qu'il faut que je fasse une fausse photo dédicacée? Il
J'ai signé au dos de la photo. Le message est assez ambigu. Attends, t'as mis quoi comme message, Georges? C'est un enterre trop bien rempli. Et tu remarqueras qu'il est en t-shirt, t-shirt jean. Donc, où met-il tout ça, sachant qu'il a un salami et une bouteille, littéralement, de vin? Une photo de promo de Lucy Chu, signée au dos. Bon, je sais absolument pas pourquoi je vais lui donner cette photo, mais... Bonjour. Mais écoute, très bien. Salut, Marc. Oui. Les AP plein de streams, toujours le même épisode. Écoute, je sais plus si t'étais là la dernière fois. Mais on vient de partir du Vatican. Marc, j'ai oublié de vous dire, la photo de Lucy Chu, elle est dédicacée. Oh, incroyable! Il est rare qu'elle dédicace quoi que ce soit. Qu'a-t-il décrit? À mon plus grand fan, puisse les cieux vous remercier pour votre soutien. Affectueusement, Lucy. Gros bisous. Gros bisous? Gros bisous. Gros bisous. Oh, j'en rougis de désir. Un tel objet constituerait la pièce centrale de ma collection. Consentiriez-vous à... Ma collection de photos volées qui sont sur mon mur de ma cave. Elle est dédicacée, hein? Je n'ai pas grand-chose. Une paire de gants roses. Pas mal, mais pas mon genre. Une serviette à thé du Saint-Suaire. Élimée d'origine. Marc, c'est passé de mode depuis Noël dernier. Ok. Et mon évêque parlant? Adaptable sur tout type de volant. En cas d'accident, il délivre automatiquement l'extrême onction. Non, merci, sans façon. Eh bien, si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. Oui, oui. Bah du coup, faut... ça me sert à quoi? Il y a une image de chat dessus. Mais c'est quoi? Il y a une image de chat dessus. Rebonjour. Salut, Marc. Un fils parent du pape. Bonjour, c'est le pape. Bonjour, c'est le pape. Bah, faut que je fasse quoi, du coup? Mais m'aidez pas, hein, surtout, hein. Ah mais du coup je lui ai pas donné. Putain, je comprends rien. Qu'est-ce que t'as, mon chat? Tu viens? Dire bonjour? Dire bonjour aux gens. Oh oui. Oh oui. Viens. Tiens. Non. Vas-y, viens. Il y a mon chouchon. Coucou. T'as fait un miaou? Oh pardon. Qu'est-ce que tu veux? Pardon pour les petits bruits dans le micro. Ça marche, Triple Razor Zoom. Bonne soirée à toi. Non, t'aimes pas les caméras, t'aimes pas la lumière. T'aimes pas la lumière du jour. Vous aimez donc l'idée d'avoir une photo dédicacée de Lucy Chu, hein? Oh, Georges, quel cruel vous faites! Ôtez ça de ma vue, vilain garçon! Consentiriez-vous à vous séparer de cette photographie? Je me tâte. Elle est dédicacée, hein? Vous êtes sûr de ne pas vouloir de mes babioles? Désolé, Marc, pas question. Ça marche, oncle Fernand, merci à toi. Merci à toi d'être passé. Bonne nuit à toi. Bah, très bien, ok? Et quoi, du coup? T'as pas un truc avec un chat dessus sur ton inventaire? Je ne crois pas. Mais je comprends pas, en fait. T'as pas un truc avec un chat dessus dans ton inventaire. Bah non. La bouteille, il y a un chat sur la bouteille. Non. Une petite bouteille de vin rouge avec bouchon à vis. Non. J'aime bien parce que pour l'instant, en attendant, il reste sur le palier à se regarder dans le blanc des yeux.
Salut, Marc. Oui, très bien. Merci, Marc. De rien. Est-ce que tu veux du pain rassis, Marc? Attends, je comprends pas. Et si je te plantais, Marc? Hein? Je ne veux pas m'en prendre à Marc. Il est trop gentil. Ça t'a traversé l'idée quand même. Mais je comprends pas là. Ah ou alors attends. Attends. Et si je fais ça là? Impossible. Ok, non, d'accord, très bien. Je sais même pas ce que c'est là. Je sais même pas ce que c'est. C'est quoi? C'est une... Il dit qu'il y a des chats dessus, mais il dit pas ce que c'est. Je comprends pas, putain. Ça a aucun sens. Non, on est d'accord, j'ai rien avec des chats dessus, hein. Est-ce que c'était une question par rapport à l'énigme, Rigo, ou est-ce que tu demandais juste ça comme ça? C'est tubulaire et blanc. Bah, j'imagine que c'est une cierge. Un cierge. Se guider sans trop d'accident non plus, d'accord. Mais j'ai rien avec des chats. Le rosaire d'Anna Maria. Au dos de la croix, on peut lire Memento Mori. Cierge, mon marbre. Je suis bête. Une couverture ignifugée. Ça peut avoir son utilité. Je suis vraiment bête, je pense. Il y a quelque chose en terre qui a la même forme que le truc sur la table. Le salami. Il y a des chats dessus. Non, referme pas. Reste là. Je t'aime, Marc. Ça ne marchera pas. Le club de golf. Aucune chance d'y arriver. D'ailleurs, je vois pas. Je comprends pas. Je suis bête. La bouteille? Ce n'est pas une idée de génie. Il y a un truc dans mon inventaire qui a la même forme que le truc sur la table. Sachant que je ne sais même pas ce qu'il y a sur la table. Il y a une image de chat dessus. Bah, en fait, on ne sait pas ce que c'est. C'est là, on le voit de loin. Attends, je vais essayer de me rapprocher. Bonjour. Salut, Marc. C'est un stylo. Merci, Marc. De rien. C'est le stylo avec le logo de chat noir. J'ai trouvé ce stylo il y a un moment. Vous connaissez ce symbole? Ce stylo provient du salon de massage du chat noir, dans la vieille ville. C'est un... comment dire... un club pour le clergé du Vatican. Un club pour le clergé? Oui, c'est ça. Les prêtres aussi ont besoin de détente, vous savez. Oh, je vois, un club de détente. Vous êtes membre? Par ici, tout le monde est membre du chat noir. Et pourquoi Anna Maria aurait-elle un de leurs stylos? Qu'est-ce que j'en sais? Mais, enfin... C'était... Oui, c'était tellement pas évident, parce que d'ici, on voit pas que c'est un stylo, et j'avais aucun souvenir qu'il y avait un chat sur ce putain de stylo, quoi. Et genre, vraiment, j'avais pas le réflexe de lui donner, tiens, voilà le stylo, quoi. Cause meilleure, Marc. Rebonjour. Rebonjour. Salut, Marc. Bienvenue dans mon émission.
Oui, je vous aurai que des références de vieux ce soir. Pour sortir d'une session en chair épuisante, rien de tel que de s'allonger, de se faire oindre et dénouer les nerfs. De se faire. J'imagine. Qui d'autre y va? Je ne suis pas un rapporteur, voyons. Et où se trouve cet endroit? Dans la vieille ville, dans Castle delle Zingale. Impossible à rater. Le chanoir n'accepte que les membres du clergé? Pas du tout. Mais avec tous ces visiteurs en ce moment, il rechigne à accepter de nouveaux membres. Quand l'huile coule, mieux vaut éviter la foule, n'est-ce pas? Quoi? Et où irait le clergé? Merci, Marc. Cette expression n'a aucun sens. Donc, du coup... Vous aimez donc l'idée d'avoir une photo dédicacée de Lucy Chu, hein? Oh, Georges, quelle cruelle vous faites! Ôtez ça de ma vue, vilain garçon! Si, pour les rêves de vieux que j'ai accepté, vous séparer de cette photographie. Je vous remercie d'accepter mon vieillage. Elle est dédicacée, hein? Vous êtes sûr de ne pas vouloir de mes babioles? Désolé, Marc, pas question. Bon, est-ce qu'il faut que j'aille à la... me faire oindre au club de massage là du clergé, je sais pas quoi. Putain, mais ça, genre vraiment, enfin, deviner ça, où dois-je aller? Je l'aurais jamais j'aurais jamais deviné. Direction là. Le salon de massage logique. Du chat noir. Bon, merci à Igor en tout cas. Casso delle Zingare. Nous y sommes. La Casso delle Zingare. Alors, qu'avons-nous? C'est vraiment le truc que tu trouves en essayant tout. Mais oui! Genre, c'est... Ça devrait pas se passer comme ça en vrai. La logique devrait nous sauter aux yeux. Ah, bon, j'imagine que c'est là. Vous voyez, c'est ça qui est un peu triste dans les versions 3D des Chevaliers de Baphomet. C'est que vraiment les décors sont vides. Alors que dans les versions 2D, il y avait vraiment plein de choses. Et tu pouvais tester plein de choses, tandis que là, c'est une certitude que. Enfin, que t'as un truc à essayer, enfin, où aller. Et c'est un peu triste, quoi. Porte coupe-feu, pas de poignée de ce côté. Bon, on va demander au monsieur, j'imagine. Un portier balèze qui interdit l'entrée. C'est réservé aux membres. Pigé ? Tu n'as pas cette... Voilà, ce n'est pas possible. Ce club est réservé aux membres. Des religieux propres sur eux. On n'accepte pas de nouveaux membres. Entendu ? Quel dommage. J'ai entendu dire que les massages d'ici étaient très spéciaux. On vous a mal renseigné, c'est un sonate tout ce qu'il y a de convenable. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont... qu'ils en ont rien eu à foutre, quoi. Ils se sont dit, allez, on va faire ce ça, ouais. Ce club est réservé aux membres. Oui. Des religieux propres sur eux. Bon, et si je te dis que je suis du Vatican, frère? Ce n'est pas une carte de membre. La carte de Grégor ouvre certainement des portes, mais pas celle-ci. Elle ouvre peut-être la porte de mon petit cul. Bon, j'imagine qu'il faut que je... J'arrive pas à comprendre si c'est un accent ou genre un mec à Stéphane Bern. Je suis même pas sûr qu'ils sachent ce qu'ils ont essayé de faire. Et c'est quoi? Tu vas où? Pourquoi t'as fait un demi-tour comme ça? Pronto! Excusez-moi, que savez-vous à propos du chat noir? Il pisse sur mon linge. Tordez-lui le cou, d'accord? Très bien.
C'est un truc à faire avec cette porte. Ça me semble... impossible. Genre c'est... ça me paraît trop suspect. Ils aient mis ça là. Moi aussi, je sais ce que je vais lui demander à l'autre. Tu vas me filer ta carte de membre du chat noir. Je crois qu'ils étaient en point... au point où c'est le deuxième personnage que je dois doubler, j'ai appuyé tous les accents possibles. Je vais faire une doigt d'adolescent prépubère et puis c'est tout. Franchement, c'est pas impossible. Mais alors, si le jeu est pas fini, qu'est-ce qu'il nous reste après, quoi? Non, bah non, bah va pas là. Wesh. File-moi ta carte ou je te plante. Rebonjour. Rebonjour. Salut Marc. Voilà. Allez, je sais. Vous aimez donc l'idée d'avoir une photo de Lucy Chu, hein? Oh Georges, quelle cruelle vous faites. Ôtez ça de ma vue, vilain garçon. Consentiriez-vous à vous séparer de cette photo? Ôtez ça de ma vue, vilain garçon. Elle est dédicacée, hein? Vous êtes sûr de ne pas vouloir de mes babioles? Désolé, Marc, pas question. Bon, est-ce que tu veux... Rebonjour. Ta gueule. Salut, Marc. Bon, Marc, il faut que j'aille au chat noir. Ah, je vois. Besoin de se vider l'esprit? C'est en rapport avec les affaires internes. Bien sûr, bien sûr. J'ai besoin de votre carte pour entrer. Mais c'est impossible. Au club, on fait serment de ne jamais prêter sa carte. Un par jure et on risque la radiation à vie. Mais c'est la sécurité de l'église qui... Et un par semaine. On voit bien que vous ne voulez pas faire le chat noir. Non, c'est bon, arrête. Bon. Merci, Marc. De rien. Vous aimez donc l'idée d'avoir une photo dédicacée de Lucy Chu, hein? Oh, Georges, quelle cruelle vous faites! Ôtez ça! Allez! Mais file-moi ta carte, merde! Consentiriez-vous à vous séparer de cette photographie? Je me tâte. Elle est dédicacée, hein? Bon, et si je vous donnais en échange? Ah, bah voilà! J'arrive pas à croire que je vais faire ça. Ma carte du membre du chat noir. Ah ouais. Oh, Marc, je ne sais pas. Ça pourrait vous valoir de gros pépins. Des pépins? Bah, pépins, c'est mon deuxième prénom. Bon, puisque vous êtes un si grand fan de Lucy Chu, j'accepte. Oh, Georges, vous n'imaginez pas à quel point je suis ravi. Je crois le deviner. Tenez, Georges, et merci encore. Allez, salut, gros naze. J'aime bien parce que quand j'ai essayé le couteau tout à l'heure, elle a fait « Oh non, je ne vais pas lui faire de mal, il est tellement gentil !» Et l'autre, il est prêt à lui foutre, genre... à l'expulser du clergé pour une fausse photo dédicacée, quoi. Où dois-je aller? Direction le salon de massage du chat noir. La gentillesse de Georges a des degrés divers. Tiens. Très bien, entrez. Ah bah dis donc. Ah bah dis donc, Scooby. Je crois que j'ai vu un fantôme. Bienvenue au chat noir, seigneur. On est revenu à l'hôtel du début, là. Non? Raymond Scooby Bar. Oh non, pas une séquence infiltration, ça suffit. Hein. Le streamer en train de faire un remake du remake de Velma. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Parce que j'ai... Quelle imitation parfaite de Shaggy, je suis bluffé. Ah oui, c'est vrai, c'est le vrai nom de Samy. Parce qu'en France, il s'appelle Samy. Oh bah dis donc, Non, le...
Ah non, Samy, il est pas dans le truc des de Satanas et Diabolo avec le pigeon là. Mais il y a un. Je crois qu'il y a un. Y a, c'est Vol à Voile, je crois, qui s'appelle. Qui a une voix comme ça. Et donc, oui, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Un casier vide. Salut Lapinou. Ah, t'inquiète, Rigo me donne un coup de main. Merci, quand même d'être passé. Et quelqu'un peut m'expliquer donc, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle série qui était centrée sur Velma de Scooby-Doo donc. Et apparemment, ça a pas l'air de trop plaire et je suis pas sûr de savoir pourquoi. Est-ce que quelqu'un sait? Est-ce que quelqu'un a entendu parler de cette histoire? Un bonus, c'est un beau bonus. Ceci est l'œuvre de Q-Lay-Lay. Épatant. Mais si vous savez pas, cherchez pas exprès. Hein. Mini Calling, chapote, un remake de Scooby-Doo sans Scooby-Doo, ça fait plaisir à aucun public. Mais c'est tout? Il y a que ça, parce que si c'est un truc qui est centré sur un personnage, bah... Voilà quoi, mais est-ce que c'est juste ça qui plaît pas, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont pas? C'est pas très bien écrit et c'est un discours pas très ouf à beaucoup de niveaux, pareil que sur MeToo. Ah d'accord. Ça se veut edgy et méta et ça énerve les gens, d'accord. Eh ben je ne savais pas tout ça. Oh là, une minute. Veuillez vous changer avant d'entrer, s'il vous plaît. Oh là, banquier! D'accord, très bien. Un des nombreux casiers, numéro 17. Un casier vide. Ouais, tu te dessapes, Georges. C'était d'autres choses là. Pas l'impression. Il y a des gens qui ont regardé le bah du coup la série ou pas du tout. Il est entré dans le spa du pape. Le spap, tu veux dire. Je suis John Spapman. Non, c'était très tordu, ça. Y a pas à dire, le plastique, c'est fantastique. Bon, y a pas que moi qui fais des rêves de vieux, ça me rassure. Ah, je peux pousser ça. Voilà qui est mieux. D'accord. Pourquoi faire? Ah, qu'est-ce que tu vas me faire, genre? On dirait une valve d'eau chaude. On va voir le spouep du pape au spap. J'ai vu des gens qui commentaient l'anime a l'air sympa, mais voilà, d'accord. Si je la tourne un peu... Ah, enfin de l'eau chaude. Bellissimo. Chaussure dans la douche, ça me trigger. Salut, Flopiche. Scabalomi. Ah non, mais Georges, il en a rien à foutre. Hein. Jolie plante. Voilà qui devrait faire l'affaire. Je ne veux pas le faire bouillir. Voilà qui devrait faire l'affaire. Je ne veux pas le faire bouillir. Ok. Du coup, faut que je fasse quoi? Est-ce qu'il faut que je prenne la serviette? Une serviette est pendue au bac à savon. Elle doit appartenir au gars de la douche. Ah, voilà qui est mieux pour l'instant. Je laisse mes affaires dans l'un des casiers. À poil! À poil!
Vous voulez voir les gros pecs. Hein, petite barre de chocolat, petite tablette de chocolat, hein, quand même. Voilà, bon. Voilà, il est pas énorme et sec, mais ça fait... Genre, c'est un salami dans votre maillot, vous êtes juste content de me voir. Eh bien, figurez-vous que c'est un salami. Attends, est-ce que j'ai toujours ma... Bah non, forcément, bah non, évidemment, j'ai plus mon... Donc non, c'est ma grosse bite. Voilà. Salut, Denis. C'est ma tournée, Signor. Merci, c'est gentil. Ta tournée de quoi? Tu vas te calmer, ouais. La réceptionniste. Là. Okay. Ah, après, je... Il m'a l'air de gérer autre chose que les cartes de membres. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous m'avez l'air de débarquer de votre avion et d'avoir besoin d'un peu d'amusement. Que puis-je pour vous? Avez-vous rendez-vous avec l'une de nos hôtesses spéciales? Non, je suis ici pour le bain de vapeur. On aime creuser son sillon tout seul, je vois. Comme c'est romantique. Tu vas te calmer tout de suite, par contre. Qui d'autre est membre ici? Mon bon monsieur, je ne puis vous le dire. Oh, allez, je sais garder un secret. Moi aussi. Bonne réponse. Rien de tel qu'un petit club familial, hein? Familial? Que voulez-vous dire? Vous savez bien, la cosa nostra, nos affaires. Badaboum, chaussures en ciment et bain de minuit, la Sicile, Naples, le parrain, vous voyez de quoi je parle? Ah, je vois où vous voulez en venir. Vous essayez de m'attirer des ennuis. Ouais, ils sont donnés à cœur joie, hein, sur les doublages. Mais d'habitude, ils ont toujours un peu, ouais, ce qu'on disait un peu dans les sessions précédentes, ils ont toujours un peu eu toujours ce genre de doublage un peu cartoon, mais j'ai l'impression que celui-là, comme il est pas ouf en termes de gameplay, je pense qu'ils ont dit, allez, on redouble un peu ça d'intensité, et du coup, on s'amuse, quoi. Nos inscriptions sont bouclées, mais si vous nous recommandez un ami, je peux l'ajouter à la liste. Et Sam, lui, permettrait de devenir membre? À condition qu'il passe le test. Quel est son nom? C'est... Écoutez, je repasserai. Je comprends. L'amitié est une chose parfois délicate, n'est-ce pas? Attends, il a dit que les deux, c'est les mêmes. Tu parles de quoi, Merlock? Que j'ai pas forcément compris. Ça doit être super d'avoir ce genre de réaction quand on fait un massage. Genre de réaction, comment ça? C'est une porte, mec. Verrouillée. Ah! Encore une porte, réservée au personnel. Verrouillée. On va planter un mec au couteau dans un spa. Je sais pas pourquoi dans les spas en général, dans les films, il y a toujours un mec qui se fait planter. Ils aiment bien foutre des miroirs, hein. Ils ont bien... Il a dit que la cosa nostra elle était la mafia de Naples ou un truc du genre, d'accord. J'avoue que j'ai pas retenu... Attends, il y avait un truc là. Il y avait un truc, j'ai pas rêvé. Non? Ah, attends, si, putain, oh! Non, ou alors c'est un bug d'affichage, mais... Ah si, voilà, on est d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi, là? Ok, très bien. Ou alors c'est un truc qui est de l'autre côté.
Ok, bon, je pense que c'est un bug. Ouais, je pense que c'est un bug. En fait, je pense qu'il y a un truc de l'autre côté, et que la reconnaissance du curseur fait qu'on y a accès. Bonjour, qui êtes-vous ? Duane. Ce type a le chic pour apparaître dans les lieux les plus inattendus. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Donc, Duane, c'est un personnage qu'il rencontre dans les précédents épisodes. Ce vieux George, comment ça va ? Duane, pas possible, c'est toi ? Tu me connais, George, toujours dans les bons coups. Duane, la première fois que j'ai vu Duane et Pearl, sa femme, c'était en Amérique du Sud. Il se prenait alors pour un agent de la CIA. Visiblement, il n'a pas changé. Gros style. Parle-moi de cet endroit. Les prêtres ont un rabais. Et tu l'es en ce moment, donc ? Bah, pour les mals gratuits, je m'inscrirai à n'importe quoi. Les lunettes de soleil dans le hammam et le cigare, qui visiblement ne s'éteint pas sous la vapeur d'eau. Cet endroit appartient à la mafia ? Ouais, c'est dirigé par un certain... Ouais, non, c'est pas le même. Même la voix de Nico, c'est pas la même. C'est pas un rigolo. Je pense qu'ils ont dû... Il y a des voix qui ont dû changer. Je sais pas si c'est dû à un budget ou si les acteurs et les actrices n'étaient pas dispo. Que sais-tu d'autre sur Spallacci ? Il a ses entrées au Vatican. D'ailleurs, ils aimeraient bien qu'il reste... Puis il a un accent quand il veut, hein, d'ailleurs. C'est bien de se marrer, Georges. Mais pas avec ce type. Parce que c'est censé être un Américain, et dans les autres opus, ils lui ont fait vraiment un accent à couper au couteau, quoi. Ainsi, c'est Spallacci qui... C'est pas de la vapeur, c'est uniquement son cigare. Dans ce cas-là, oui, ça se tient. C'est pour ça que tu es là ? Ah, je viens juste pour les massages. Comment va Pearl ? Toujours aussi radieuse, Georges. Ah, et d'ailleurs, tu fais bien de me faire penser qu'il faut que je lui rapporte des boules Mozart avant de rentrer. Des boules Mozart ? Mozut ! Je suis censé être à Salzbourg, si tu vois ce que je veux dire. Que fais-tu réellement ici ? Je suis sur les traces de l'or, Georges. Et il paraît que j'ai de la concurrence. Je sais pas ce que c'est. Ça pourrait être de moi qu'il s'agit. Des boules Mozart. Ou d'une puissance. Ça doit être une vapoteuse. Ou encore mes amis de la CIA. Tu n'es pas ici pour leur compte ? Pour le compte de la CIA, moi ? Enfin, Georges, il faut vivre avec son temps. D'accord. Est-ce que tu m'as... Merci, Duane. Ok, très bien, mais tu m'as strictement rien apporté, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Ou est-ce que c'était vraiment l'endroit ? Ah. C'est le cinglé qui m'a volé ma serviette ! Bon, Georges, il est temps pour moi de m'éclipser. Bien, bien, bien. Qui avons-nous là ? Le plombier des urgences ? Ça ne marche pas deux fois, Georges. Où est la fille ? La fille ? Quelle fille ? Anna Maria. Vous devriez le savoir, vous l'avez kidnappée. Je vois. Et où est l'argent ? Quel argent ? La grosse somme d'argent. Vous sonnez à la mauvaise porte. Il enquête sur quoi ton perso ? J'ai pas suivi les premiers lives. Alors, pour faire vite, il y a une meuf du nom d'Anna Maria qui est venue lui demander de l'aider à trouver un trésor. Voilà, je sais plus où. On a la fille. Quoi ? Et la fille a disparu. Et donc, il part à sa recherche. Il est parti à sa recherche. Elle s'appelle... Hé, toi ! C'est quoi ton nom ? Nico. Nico Collard. Nico ! Hé, Nico, c'est moi, George. Monsieur Spallacci, elle refuse de parler. Comme c'est pénible. Eh ! Qu'est-ce qu'on fait d'elle, monsieur Spallacci ? C'était Nico. Que c'est-elle ? Rien du tout, c'est juste une journaliste, je vous assure. Monsieur Spallacci, je fais quoi ? Apparemment, elle ne sait rien. Occupe-t'en. Collez-moi encore ce flingue sur la figure et je vous le carre dans le... Je ne voulais pas dire... Nico ! Oh, ma tête. Où suis-je ? Nico, mon Dieu, qu'ai-je fait ? J'ai l'impression d'être ici depuis des heures. Bon, sauvegarder. Vous remarquerez que... Il y a quelqu'un qui lui a dit, c'est lui qui m'a volé ma serviette. Mais il l'a toujours.
Oui. Moi, tu es Mo. Oui. C'est OSS 117 le jeu. C'est un peu ça. Un harnais ? Bizarre. Oui, bizarre. Drôle d'idée. Drôle d'idée. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un interrupteur. Non, il semble être relié à quelque chose sur l'étagère du haut. C'est une prise, pas un interrupteur. Monsieur, j'ai nettoyé pour vous, gardez la cravache. C'était qui ça ? Chachon. Donc on est d'accord, ça c'était un dildo, un vibro en forme de lapin. Qu'est-ce que t'as, Chachon ? Viens ! Viens ! Putain. Miaou ! Oui, des cratouilles. Oh là là. J'arrive. Il y a une alerte gratuite. Et viens avec les gens. Viens voir les gens. Enfin, ils veulent te voir, eux. Les donjons... donjons SF de Benoît XVI. C'est... Oui. Oui, en vrai. Excuse-nous, Georges, on revient. On va t'aider. Ce qu'il fait là-dedans. De toute façon, j'apprends en général ce genre de truc, c'est pas timé, donc... Excusez-moi. Oui ? Tout va bien là-dedans ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Je me comporte en bon voisin. Laissez tomber, ça me casse les pieds. Ok, mais t'es qui ? Excusez-moi. Oui ? Tout va bien là-dedans ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Ok. Bon. Je me comporte en bon voisin. Laissez tomber, ça me casse les pieds. J'arrive même pas à savoir si c'est un mec kidnappé ou si c'est genre une espèce de truc SM. Ok. C'est juste une boule. Rebonjour. Rebonjour. Ah, salut Marc. Oui, non, ok, d'accord. Putain, c'est vraiment... c'est vraiment domino D, quoi. J'ai encore nettoyé, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Donc j'imagine... Bah, en fait, non, si je comprends bien, il y a un mec qui passe nettoyer après, parce que tu vois, remarque, tout est revenu. Bah, je pense, oui, hein, en vrai. Parce que t'as des trucs pour les fessées, t'as un vibro, t'as un harnais, t'as un mec dans une boîte. Bon, j'imagine qu'il faut faire des trucs dans l'ordre. Les lois de la physique sont totalement respectées, bah oui. De l'huile pour bébé. Pour les gros bébés cadom. C'est un plastique très glissant maintenant, je risque de tomber. Oui. Ah ouais. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Ah, une hallebarde. Comme Damon. Damon hallebarde. Non.
Salut Alexander à Maroc. Non, je peux pas aller par là du coup. Bon, bah, on essaie de recommencer, hein. Le parc d'attraction. Vraiment sympa, Guigui, j'arrive, il y a un mec à moitié à poil attaché sur une chaise dans un donjon SM. Dans un donjon SM. SVP. Et salut Morizu. Bon, du coup, est-ce que je recommence? Est-ce que c'est ma piste? Comment il arrive à se déplacer là? C'est pas possible. Non mais vous êtes pas sérieux. Libre. Maintenant, comment sortir d'ici? Waouh, c'était genre vraiment le plan d'évasion des Looney Tunes quoi. Waouh, incroyable. Incroyable moment. Appeler le Vatican. Ah là ouais, complètement. Ouais. Incroyable. Il est bien silencieux. Excusez-moi. Oui? Tout va bien là-dedans? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je me comporte en bon voisin. Laissez tomber, ça me casse les pieds. Cette séquence, étrangement, m'a vendu le jeu. Ah, j'avoue, hein, franchement. Je m'attendais à tout sauf à ça, quoi. Bon, j'imagine qu'il n'y a plus rien à faire. Mais putain, là... Ville Coyote, quoi. C'est Spallacci? À qui parle-t-il? Oui, bah oui, c'est... L'Américain a vu Anna Marie. T'as raison d'ouvrir le rideau, Georges. Et pour la fille? Ce n'était qu'une journaliste. Elle ne sait rien. Enfin, elle ne savait rien. Bon, on sait qu'elle est vivante depuis qu'il y a un épisode 5. Les accidents sont inévitables. Leur tour, ah, ou alors c'est un miroir sans temps. Il est impératif de retrouver Anna Maria. Entendu. Vous restez. Nous avons une ou deux choses intéressantes au menu aujourd'hui. Mon Dieu, le cardinal Gianelli. Le Vatican de mèche avec la mafia? Merci, mon ami. Mais vu les circonstances, je préfère pas. Ce serait déplacé. Bien sûr, votre éminence. Dans ce cas, je ferme. Et si Anna Maria n'est pas aux mains de la mafia, où diable peut-elle être? Que de suspense, que de suspense. Mais Doublage, mais une garçon. En fait, je pense que le doublage, vraiment, il ferait moins cartoonesque. Étrangement, si c'était resté un épisode 2D. Tandis que là, il y a une espèce de... Un petit bouton sur le châssis de la fenêtre. De... C'est en anglais, la vallée des rangements, comment on appelle ça. Bon, je ne me rappelle plus le nom en anglais, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Une espèce de décalage qui marche pas, quoi. Ah. Oui, un passage secret qui n'était pas du tout visible, Georges. Uncanny Valley, voilà, merci. Merci beaucoup. J'avais plus du tout le nom. Bon, du coup, on fait quoi? Psst. Il y a un espèce de mec de Vierzon qui essaie de refaire le pizzaiolo italien, surtout. Ah non, mais t'as raté de ces trucs, moi, je crois que mon meilleur passage, c'était vraiment quand Georges essayait de se faire passer. Alors, il est déjà américain. Psst, Georges. Par ici. Mais par où? T'es où? T'es où, frangin? Et il essayait de faire... Viens au bain, tout de suite. Mais au bain, t'es où? T'es où les bains? Georges, viens au bain, tout de suite. Et il essayait de faire donc encore plus l'américain, mais du coup il faisait le suisse. Ici, Georges. Dans le conduit. Duane, c'est bien toi? Est-ce que... C'est la poubelle qui parle du parc à sexe? Salut, Georges. J'ai pensé que tu aurais peut-être besoin d'un coup de main. Salut, Duane. Que fais-tu dans ce conduit? Tu me connais, Georges. Toujours dans les bons coups.
Duane, ils ont tué Nico. C'est comme les chevaliers dans le Baphomet en nanar où c'est pas voulu. Mince. Ça me fait de la peine. Moi j'ai une théorie. Il ferait mieux de te mettre à l'abri. C'est-à-dire que c'est la période où c'est les épisodes en 3D. Donc c'est pas très bien réalisé et donc du coup bah, en termes d'animation etc c'est pas ouf. Et je pense que les doubleurs français ont un peu vu ça et se sont dit allez on s'en fout on va y aller à fond et au moins ça rendra le jeu amusant quoi. Dwayne tape 1 si tu vois le salami. Mais ouais, c'est dans le. De la buanderie. Tu peux sortir par là, mais. Mais oui. L'énigme de. Enfin, de l'évasion. Je passe la main pour te la donner. Une idée ? C'est ridicule, quoi. Dwayne, Pearl sait que tu joues les héros dans les conduits ? George, il y a des tas de choses que Pearl ne sait pas à mon sujet. Et il vaut mieux que ça continue. Oui, non, c'est vraiment les chevaliers de Baphomet, hein. C'est le quatrième épisode, qui est pas le plus connu. Moi, je l'avais jamais fait. Et il est sorti que sur PC, il est pas sorti sur console, contrairement aux autres. Duane, encore là ? Eh oui, George. Et non, c'est la période où c'était vraiment, c'était pas facile pour eux, quoi. Oui ? Je n'arrive pas à passer la main pour te la donner. Une idée ? Bah, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On verra. On va essayer de trouver des trucs, hein. Ah non, j'ai plus mes affaires, là. Attends, est-ce que j'ai encore mes... Pourquoi vous avez tous pensé au salami d'un coup ? D'un coup, à un moment, j'ai cru que vous étiez sérieuse, vu que vous étiez deux à l'avoir dit. Mais comme j'avais pas mon inventaire, bah, ça me paraissait un peu compliqué. Bah ouais, les salamis c'est interdit dans les spas. Verrouillé. Non, mais pourquoi tu... Encore une porte, réservée au personnel. J'ai pensé à agresser la main de Dwayne. Vu la logique de certaines énigmes, je serais pas étonné. Hein. Depuis que le salami a remplacé Nico en termes d'importance de perso secondaire. Bon, est-ce que je peux aller récupérer mon salami ? Allez. Ah, enfin, je peux me rhabiller. Bon, voilà. Eh, vous savez quoi ? J'ai récupéré mes affaires. Oui, bah oui, merci. Vous savez quoi ? On va essayer le salami. Si ça se trouve, c'est ça. Veuillez vous changer avant d'entrer, s'il vous plaît. Ha ! Ha ! Je t'ai bien eu ! Le vigile, là. Si c'est ça, c'est le meilleur jeu du monde. Eh ben écoute... Ce n'est pas la bonne approche. Ah, hélas, non. Est-ce que je suis bien sur le... C'est une déception. Attends, qu'est-ce qu'on a qui pourrait... Ça n'ira pas. Si je fais tomber ça, je pourrai jamais le récupérer. C'est un trombone, Georges. Tu t'en remettras, je pense. Qu'est-ce que j'essaie de faire ? De crever un œil à Duane ? Et avec ça, avec le rosaire. Allez ! Le rosaire ferait l'affaire, mais je n'ai rien pour y attacher une clé. Ah, donc peut-être le trombone ? Un trombone est fixé au rosaire. Allez,
Beau boulot, George. J'attache la clé. Bon, il faut que je file. Prends soin de toi, George. Merci, Duane. Mais tu t'en vas par où? Oh putain, cette musique. Cette musique d'espion. Je sauvegarderai parce que je sens que les mafieux peuvent revenir à tout moment. Duane, c'est ma tortue ninja préférée. Verrouillé. Alors du coup, est-ce que c'est la clé? C'est la clé de cette porte, tout à fait. Duane Atello. Et vous êtes en forme ce soir, ça me fait bien plaisir. C'est pour ça que j'aime bien faire des streams, c'est parce que vous êtes... Machine à laver. Vous me faites bien rien. Ils doivent en faire des lessives dans ce petit club. Du coup, est-ce que ça sert à quelque chose? J'en sais rien. Wouh! Allez, salut les nulos! C'est quoi ça? Allez, non, c'est... Déjà, il y a un truc par terre là, non? Et si tu passes à côté, genre sans le voir. Un mégot de cigare solitaire que l'on voit luire par le regard. Ah, c'est du lore. C'est du lore, Duane est passé par là. La rigolade est réciproque. Bah, ça me fait bien plaisir. Ça me fait bien plaisir que vous passiez un bon moment. Et maintenant, le mec dans la boîte SM, on va vraiment se barrer, genre c'est normal. Nico est morte. Mais non, elle est pas morte, genre tu... Ou deux. Très bien. Ou plus. C'est bien que non. Patron Yamar et Bass, fais-moi voir la tête. Gilles Gosier qui se lasse, être tous et quelle horreur. Eh bien, Georges, moi qui vous prenais pour quelqu'un de calme. Pourquoi j'y suis pas encore mort? Ah putain, pour c'est genre, je pensais que c'était le clochard de l'autre quand jour. Vous serez heureux d'apprendre que les gars sont passés réparer la fuite chez Anna Maria. Super, laissez la porte du four ouverte, j'arrive. Il faut que je parte. Une minute, y a pas le gaz chez Anna Maria. Tout est électrique. Alors, que voulait-il? Hein? C'est le mec bourré le moins crédible de l'univers. Déjà, je constate que les bouquins ont disparu. J'ai cru qu'il était Brax. Il l'est. Moi, je pense qu'il l'était. Hein. On dirait qu'ils nous ont laissé un cadeau. Mais il a dessoulé très vite. C'est ce à quoi je pense. Ma foi, si ce à quoi vous pensez est une bombe artisanale qui risque de faire sauter tout l'immeuble, alors vous êtes dans le vrai. Si on n'y touche pas, peut-être qu'elle n'explosera pas. J'aimerais bien, mais le petit minuteur sur le dessus me laisse penser le contraire. Marc, il faut qu'on la désamorce. On? Comment ça, on? Apparemment, on a 10 minutes. Vous connaissez la marche à suivre? Non, mais l'armée doit bien avoir ce genre d'infos dans sa base de données. Jésus-Marie-Joseph. Oui, appelez-les aussi s'ils peuvent nous aider. Bonne blague. Ah, ça veut dire qu'il faut encore un truc de piratage. Bon, on prend le temps de pirater, hein. On a tout le temps, je pense. Voilà, parce qu'on peut avoir les notes de l'armée américaine. De partout dans le monde, bien sûr. Attends, c'est quoi ça? Rebonjour. Ah oui, mais non. Putain. Par contre, j'espère qu'on n'a pas 10 vraies minutes, parce que bon... alors, attends, parce que je suis sûr que... Grâce à NordVPN, je peux accéder au serveur de l'US Army depuis partout dans le monde. Le jacking mondial qui arrête de faire en carte. Ça marche pas ta merde.
Évidemment, je suis sûr qu'à la fin... Ah, ta gueule. Je suis sûr qu'à la fin, il va y en avoir un. Il m'en manquera un, bien sûr. Mais non, non. Le hacker en hoodie qui récupère la page Wikipédia pour annoncer. Bon. Nous avons lancé une bombe sur la Terre, sur le Darknet. Mais surtout, ils expliquent absolument pas les nouvelles règles, donc je sais pas à quoi ça sert les espèces de boîtes avec les flèches là. J'ai vu Mister Robot en entier, tu veux, je peux t'aider. Attention, nouvelle arrivée. Non, mais là, littéralement, hein. Je sais absolument pas si ça c'est censé m'aider ou quoi, en fait. Bon, après, on a 10 minutes, ça va, on a le temps, on a le temps. Les cases zigzags sont des cases avec un sens de rayon à respecter. Qu'est-ce que t'appelles de zigzag? Genre les boîtes avec les flèches là? Ouais, j'imagine que c'est ça. Hein. Sinon la bombe, juste la prends, la jette au loin dans un terrain vague, 10 minutes ça se fait, j'avoue. Rebonge. Ah c'est des minutes de jeu vidéo hein. Je pense que c'est des minutes où t'as le temps. Non arrête, c'est bon. Quoi? Toi c'est passé à travers, nique ta mère. Recommençons. Ah mais attends, ça passe au travers ça. Attends, mais... Ah.
Bon, désolé, c'est à chaque fois, c'est pas les passages les plus fun. Mais on n'a pas trop le choix, visiblement. Faut que je trouve un moyen de le faire. Ça a pas l'air fun pour toi non plus. Pas spécialement. De toute façon, on est déjà passé par là. Hein. On sait que c'est pas les passages les plus marrants. Hein. Mais voilà, encore une fois, j'ai pas assez de trucs, quoi. Si ? Attends. Non, j'ai pas assez de trucs. Faut mettre du casoul pour te motiver. Ouais, je sais pas. Ah mais non, mais j'en oublie en plus, putain. Voilà. Flemme. Bon. Si quelqu'un... Rigolocation, pardon, Rigo. Ma chère Rigo, si tu as le visuel du puzzle à m'envoyer par DM, je le veux bien, s'il te plaît, parce que j'ai pas envie d'y passer bilan et que ça me saoule, s'il te plaît. Donc, je veux bien... Si tu as ça. S'il te plaît. Tout ce qui est lien d'image est cassé sur celui-ci. Merde. Attends. T'as pas une autre solution dispo quelque part? Qu'il soit plus clair ou... Avec Daphné Roulier, bien sûr. Excellent. Tu l'as, tu crois. Alors dis-moi, vas-y. Vas-y, on repart de zéro. T'es sur téléphone, c'est une... Bah non, sinon allez, attendez, je vais trouver ça. Hein. Solution chevalier. Baphomet 4. Hop là. Ah putain, j'ai trouvé une solution, mais qui a fait ça avec des grilles complètement illisibles. Alors, on en est où? Club du chat noir, l'appartement. Donc ça, c'est bon. Alors, attendez, je l'ai. G. De quoi? On a raté l'explosion? Sérieux? Il y avait une explosion? Ah merde, j'ai pas vu. Je suis désolé. Ah donc il compte vraiment les... C'était peu impressionnant. Ah, attendez, j'ai ça sous les yeux. Vraiment, j'ai pas envie d'y passer 1000 ans. Alors. Hop. Ah mais non, mais casse-toi, toi. Ça. Hop, alors. Oh, putain, ouais. Mais c'est à chaque fois le truc, là, je sais pas où placer, quoi. Attends. Vous êtes sérieux là? Et pourquoi ça marche pas là? Attends. Ah
Ça c'est son, c'est bon, c'est, là c'est ça, c'est marché le truc là. Non, putain. Allez, qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? On recommence, allez. Hop. Pourquoi ça passe pas là? Ça me saoule. Là, si en plus je suis baisé par la par le jeu qui bug, on va pas s'en sortir. Ah ou alors attends. C'est parce qu'il faut faire le truc de l'autre côté en fait. Attendez, on va les passer avant de façon à ce qu'on se fasse pas avoir. Hop. C'est faux ce Y selon ma Solus. Mais attends, déjà on va faire. Hop. Hop. Est-ce que je manque des trucs? Très certainement. Qu'un qui est où? Ici, attends. Voilà. Hop, c'est bon. Merci à toutes et tous. Bloc-notes du pilier, je veux. Ah, merci. Note de... Bienvenue de... Salut et bienvenue dans la base de données des urgences de la mer américaine, votre meilleur allié sur le terrain. Des amorçages, oui, c'est bon. La dernière fois qu'il y avait un bon nombre de bons... En plus, faut lire des trucs, là, mais tu peux pas faire des trucs automatiquement, là. Tout d'abord, familiarisez-vous avec le dispositif, commençons par les piles, vous les voyez, de jolies petites piles carrées comme à la maison. Avec... Ah, putain! C'est bon, arrêtez avec les blagues. Ensuite, la minuterie, c'est soit un réveil, soit un affichage numérique, c'est un réveil. Un fil sera relié à la partie mécanique à la bombe, et lorsqu'il sera en connexion, boum. Mieux vaut ne pas tripoter, il y a souvent un piège. Sinon, c'est un affichage numérique. Eh bien, vous pouvez abandonner l'idée d'ouvrir si vous n'avez pas fait Polytechnique. Et maintenant, le détonateur, c'est la petite charge qui déclenche la grosse. Si vous avez de la chance, il sera simplement piégé. Si vous avez la poisse, il sera également instable. Alors, gardez vos distances. Le détonateur de secours, pourquoi faire? Parce qu'un seul détonateur, c'est pas assez. Il fonctionne comme un détonateur. Un câble, c'est... C'est là que vous intervenez, il suffit de couper les fils et vous pouvez rentrer chez vous. Bien entendu, il faudra les couper dans le bon ordre. Le secret de cette opération est de pointer les câbles avant de les couper. De ponter les... Comment ça, ponter? Les câbles avant de les couper. Voici la marche à suivre. Trouvez le fil qui relie la borne négative de la batterie et le boîtier du détonateur. Ensuite, trouvez celui qui connecte la borne positive et le détonateur lui-même. Généralement en forme de cylindre. Putain. Enfin, pontez-les, la bombe a-t-elle explosé? Non, vous avez... Est-ce que quelqu'un peut me dire directement ce que je dois faire? Parce que là, ça me saoule. La bombe, s'il vous plaît. La bombe a-t-elle explosé? Non, vous avez une sacrée veine, passez à étape 2. Maintenant, vous allez jouer de la pince coupante. Une fois que les deux câbles électriques sont reliés, c'est du gâteau. Ne vous reste plus... Putain, j'ai rien compris. Il ne vous reste plus qu'à... Déjà, celui qui relie le boîtier au détonateur et la minuterie. C'est simple, non. Voilà, tavernier. Merci, allez Claude. Bon bah on va faire avec hein. Impossible. Ok mais ça ne marchera jamais. Je comprends pas. Hein?
Ah, il faut les gants, vous êtes sérieux? Attends, je les ai les gants? Ah non, je les ai pas. Hé, hey, Marc, j'ai besoin de votre aide. Vous l'avez, George? Il peut y avoir du danger. Pas de problème. Vous n'avez pas peur? Je crois en la vie éternelle, George. De quoi pourrais-je... Ouais, mais pas moi. Donc, mind-toi. Évidemment, vu sous cet angle... Marc, vous savez désamorcer une bombe? Attendez, je réfléchis. Non. Bien, on est deux. George, vous pensez que je devrais avoir peur? Ne vous bilez pas. J'aurais peur pour deux. Mais faut que je fasse quoi, là? Impossible. Je les ai pas, les gants. Ils sont où, ces putains de gants? Tu lui reparles maintenant. Hé, hey, Marc, j'ai besoin de votre aide. Vous l'avez, George? Non. Franchement, jette-la par la fenêtre, hein, frère. Autoprotection. Ah, putain. Faut lire ça avant, mais vous êtes sérieux, quoi. Hé, hey, Marc, j'ai besoin de votre aide. Vous l'avez, George? Marc, j'ai besoin de vos gants en caoutchouc. George, l'heure n'est pas au ménage. Il faut qu'on désamorce ce truc. D'après l'armée, l'électricité statique peut faire exploser une bombe. Il me faut des gants isolants pour travailler, et le caoutchouc, c'est super doux. Pourquoi ne pas l'avoir dit d'emblée? Tenez, ils vont avec vos yeux. Ah bon? Eh bien, merci. Je me rappelle plus ce qu'il faut faire. On dirait le vrai détonateur de la bombe. La minuterie de la bombe faite avec une vieille montre. Ça fait deux refs. Ouais, je pense que c'est fait exprès. Je pense clairement que c'est fait exprès. On dirait une sécurité pour le détonateur. Très professionnel. Alors, je sais pas lequel est le négatif wire, très clairement. Trombone fixé au fil de terre. Quel autre fil relié au trombone? Putain. Ok, très bien. Ah, j'espère que faut pas que je me retape le séance de la séance piratage là. Oh, au secours. Attendez, on se recommence ça. Le bleu selon les bases d'électricité, ouais, mais je... Là, je suis plus en état de réfléchir à ce genre de choses.
Le bleu sont les bases d'électricité. Donc alors, attendez, on va relire ça tranquillement. Bon déjà, hop, blabla. Autoprotection. Allez, déjà, allez, file-moi tes gants. Hein, file-moi tes gants, s'il te plaît. Hé, Marc, j'ai besoin de votre aide. Vous l'avez, Georges? Il peut. Au pire, Georges, il met le bout de la langue sur les fils, ça picote, c'est bon. Vous n'avez pas peur? Je crois en la vie éternelle, Georges. Arrêtez de parler de ça. Pourquoi avoir peur? Évidemment, vu sous cet angle... Marc, j'ai besoin de vos gants en caoutchouc. Georges, l'heure n'est pas au ménage. Il faut qu'on désamorce ce truc. D'après l'armée, l'électricité statique peut faire exploser une bombe. Il me faut des gants isolants pour travailler, et le caoutchouc, c'est super doux. Pourquoi ne pas l'avoir dit d'emblée? Tenez, ils vont avec vos yeux. Ah bon? Eh bien, merci. Allez, on s'en fout. Donc, allez, on essaie de relire le truc. Alors, hop, allez, hop. Alors, oui, on s'en branle. Alors, pontez les câbles, on est coupé. Voici la marche à suivre. Trouvez le fil qui relie la borne négative de la batterie et le boîtier du détonateur. Ensuite, trouvez celui qui connecte la borne positive et le détonateur lui-même. Enfin, pontez-les. La bombe a-t-elle explosé? Non. Vous allez jouer avec une pince coupante. Mais j'ai pas de pince coupante. Une fois que les deux câbles électriques sont reliés, c'est du gâteau. Il ne vous reste plus qu'à décider quel fil couper. En général, celui qui relie le boîtier détonateur de la minuterie. Ok, bon. On va voir. Donc, on a dit quoi? Trouver le fil qui relie la borne négative. C'est que ça veut dire quoi ponter? Je sais même pas ce que ça veut dire. Ensuite, trouver celui qui connecte. Trouver le fil qui relie la borne négative de la batterie et le boîtier du détonateur. Ensuite, trouver celui qui connecte la borne positive et le détonateur lui-même. Fil qui relie la borne négative au détonateur, le fil qui relie la borne positive au détonateur lui-même. Généralement en forme de cylindre, d'accord. Donc, si je comprends bien, il faut le relier le rouge et le bleu. Bon, le trombone est fixé. Faire un pont entre, d'accord. Relié à la minuterie. Putain, je suis vraiment pas fait pour être des mineurs, quoi. Ok, je me lance. Ouais, vous êtes sérieux, là? Putain, il faut refaire le truc à chaque fois, là. Se poser à table et manger un bout de salami en attendant la fin, je suis entièrement d'accord avec ça. Oh la flemme! Ah, désolé, hein. Pourtant, j'ai fait ce qu'ils ont dit. Ah putain, et puis en plus je me plante. Là, ça marche, Rigo. De toute façon, j'ai une solution sous les yeux. Je pense que je vais essayer de faire le truc de la bombe
moi-même parce que ça me saoule ce genre de d'énigme. Et bonne nuit à toi et merci encore. Taper sur la bombe avec un salami. Bon, on est d'accord. Si ça marche à suivre, le fil qui relie la borne négative de la batterie et le boîtier du détonateur. Ensuite, trouver celui qui connecte la borne positive et le détonateur lui-même. Généralement en forme de cylindre. Alors, fil qui relie la borne négative de la batterie et le boîtier du détonateur. Ensuite, trouver celui qui connecte la borne positive et le détonateur lui-même. Bon, on verra. J'ai l'impression que le détonateur et la boîte du détonateur sont des choses différentes. Marc, j'ai besoin de votre aide. Vous l'avez, Georges ? Il peut y avoir du danger. Pas de problème. Vous n'avez pas peur ? Je crois en la vie éternelle, Georges. De quoi pourrais-je avoir peur? Évidemment, vu sous cet angle... Marc, j'ai besoin de vos gants. Tes gants de vaisselle sont assortis avec tes yeux. Désamorce ce truc. D'après l'armée, l'électricité statique peut faire exploser une bombe. Il me faut des gants isolants pour travailler, et le caoutchouc, c'est super doux. Pourquoi ne pas l'avoir dit d'emblée? Tenez, ils vont avec vos yeux. Ah bon? Eh bien, merci. Vous savez quoi, j'ai sauvegardé là. Comme ça, je peux reprendre avant que ça explose. De toute façon, j'ai pas trop le choix hein, que de... Alors attends, c'est quoi ça? On dirait une sécurité pour le détonateur. Très professionnel. Ok, donc... J'imagine que quand ils disent boîte de détonateur, j'imagine que c'est ça. Ce fil relie le pôle positif de la batterie à la minuterie du dessus. Ce fil relie le pôle positif de la batterie au détonateur primaire. Dans quoi ? Ce fil relie le pôle positif de la batterie à la minuterie du dessus. Ce fil relie le pôle négatif de la batterie au détonateur secondaire. Ce fil relie le pôle négatif de la batterie au détonateur secondaire. Ce fil relie le pôle négatif de la batterie au détonateur. Ce fil relie le pôle positif de la batterie au détonateur primaire. Ok. Si j'en crois à ce que j'ai lu. Hop. Prends ça. Le trombone est fixé au fil négatif qui va dans le détail. Salut froid. Georges a fait tomber le Vatican. Non, c'est lui, c'est plutôt le Vatican qui l'a fait tomber. Du coup. Câble négatif. Non, câble positif de la minuterie. Non, pas de la minuterie, du détonateur. Et si j'essayais, c'est peut-être ça. Bien. Allez. Et voilà pour la première partie. Maintenant, coupez le fil de droite. Coupez le fil de droite. J'imagine que c'est le rouge. Voyons si ça marche comme dans le film. Juste un dido dans le donjon SM de 2016. Oui, et franchement, tu regarderas... Ah non, putain, ça a pas marché, sérieux. Attendez. Mais la pinou ne te ment pas, froid. On a vraiment vécu ça.
Le trombone est fixé au fil négatif qui va dans le détonateur. Quel autre fil relié au trombone? Ah, et si j'essayais? C'est peut-être ça. Les années 2000, ça connaît. Bien, la bombe n'a pas sauté. Et voilà pour la première partie. Maintenant, coupez le fil de droite. Alors attends, c'est quel fil du coup? Le fil de droite, t'es marrant toi, mais... blabla, tais-toi, trop d'infos. C'est à l'étape 2. Maintenant, vous avez coupé la pince, jouer la pince coupante. Une fois que les deux câbles électriques sont reliés, c'est du gâteau. Il ne vous reste plus qu'à décider de quel fil couper. En général, celui qui relie le boîtier du détonateur à la minuterie. Il n'y a que quand le dispositif est placé dans un boîtier ou une valise que ce n'est pas forcément le bon. Simplement, donc, le boîtier. Le fil qui relie le boîtier du détonateur à la minuterie. Ok. Donc c'est lequel? Le fil relie la minuterie au détonateur. Donc ça doit être celui-là, normalement. Bon, c'est parti. Bah, c'est quoi cette... Genre, tu fais l'aveugle. Marc, j'ai réussi. On a sauvé l'immeuble. Genre, je n'ai pas douté de vous un merci seul de votre patience, hein, vraiment. Je vais mettre ça en lieu sûr. Explosion. J'avais pas vu. Oh non, on les revoilà. Ma foi, si c'est le cas, ils vont regretter d'être revenus si tôt. Bon, prenez ça. Salut les garçons. C'est quoi, un jeu? Joli gant, Georges. Georges, qu'est-ce qui se passe? Même pas de bruitage, quoi. Mais tu es morte? Morte de fatigue, ça c'est sûr. Mais j'ai entendu le coup de feu, tu as crié, j'ai cru... Ne crois jamais rien en ce qui me concerne. Tu devrais le savoir. Tu aurais au moins pu appeler. Mon téléphone a morflé. HS. Tu pourrais au moins me dire ce qui s'est passé. Eh bien, j'ai fait bon voyage, j'ai vu un film super, et en arrivant à Phoenix, j'étais convaincue que... Mais attends, t'as fait tout ça en... Raconte-moi tout. Il s'est passé combien de temps, là? Parce que moi j'ai fait ça en 2 heures, en fait. T'as fait l'aller-retour Rome-Phoenix en 2 heures. Où sont-ils tous? Que ce lieu ait servi ou non à produire de l'or monoatomique, en tout cas, c'est fini. Comment ça? Vous êtes ici. Il y a pas très longtemps. Ah bon, bah du coup, en fait, ok, donc c'est la. On va jouer Nico. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là. On va sauvegarder, parce qu'il est minuit et je pense que voilà, on a commencé un peu tard. Ça laisse pas forcément le temps de continuer. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là et qu'on continue un peu plus tard. Merde, attends, j'ai sauvegardé ou pas? Oui. Et qu'on continue un peu plus tard dans la semaine. Ça devrait pas tarder, en tout cas, je vous tiens au courant. Mais là, du coup, voilà, il se fait un peu tard, donc... Ça sert plus trop à grand-chose. Oui, je veux quitter, merci. Merci, et du coup, on va pouvoir passer à la fin. Bon bah merci d'avoir été là, c'est toujours un... J'ai vraiment bien rigolé, vraiment vous m'avez beaucoup fait aujourd'hui. Mais comme d'habitude, hein, mais là je sais pas, je trouve que c'est un jeu qui nous rassemble, qui rassemble les copains et les copines. Et non, vraiment je trouve qu'on passe vraiment un bon moment, même si les énigmes sont un peu pénibles. Réveille dans 6 heures quand même. Du coup, je croyais que tu devais pas rester là, Pinou. Je crois que tu devais pas rester. Bah, en tout cas, merci d'être resté pour le stream. En tout cas, c'est vraiment super sympa. Oui, t'arrives à la fin, au secours. Ouais, j'ai pas fait longtemps, j'avoue. On a commencé un peu tard, j'étais en retard, etc. Donc voilà. Est-ce que tu viens de dire au revoir aux gens, toi? Est-ce que tu viens de dire au revoir? Parce que tu es là, tu es sauvage. Oui.
Coucou. Coucou. Hé, reste, regarde, regarde, regarde. Regarde, Mimi. Hein? Ouh, ce que tu ne t'aimes pas. Doublage de Gibbedos qui imite un Suisse allemand, c'est quand même spécial. Ah non, mais tout le doublage est au diapason. Hein. Le chômage va en retard, sachez-le, c'est très bien. Ouais, non, j'ai un peu traîné, j'ai siesté, je me suis un peu réveillé en retard. Ça fait longtemps que j'avais pas pu venir, c'était fun. Bah écoute, merci à toi d'avoir pu venir. Hein. Vous venez quand vous pouvez, quand vous voulez, voilà, il n'y a aucune obligation là-dedans. Faut faire Woodruff après quand même, c'est beaucoup plus second degré, mais c'est drôle. Faudra que je le retrouve. Tu m'avais dit c'était. Est-ce que tu m'avais dit c'était en Abandonware ça, Woodruff, je crois? Du coup. Non, toi tu veux pas, tu veux toujours pas venir. Tant pis, c'est pas grave. C'était ça, hein, c'était en Abandonware ou Woodruff, tu m'avais dit. Faudrait que j'essaie. Ok, d'accord. Faudrait que j'essaie de le retrouver. Du coup, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. On va sans doute se retrouver plus tard dans la semaine. Faudrait que j'essaie aussi de. Là, en ce moment, j'ai pas trop le temps. Et oui, paradoxalement. parce que j'ai pas mal de choses à faire, pas mal de choses à régler. Mais j'ouvrirai peut-être des petits streams dans l'après-midi. Histoire de faire des trucs un peu plus. Alors, je vais pas dire un peu plus détente, mais un peu plus. Passe-partout. Genre du Fall Guys, des trucs comme ça. Et voilà, des choses où on n'a pas forcément besoin d'avoir un rendez-vous fixe, enfin, solennel pour ça. Et voilà. Contrairement au point et clic où j'aime bien qu'on soit posé, qu'il y ait un rendez-vous, des créneaux horaires un peu adaptés. Voilà, il n'y a plus de logique de dans les énigmes, vu que rien n'a de sens, ça sera vite torché mais sympa. D'accord, ok, bah écoute, ça sera avec plaisir, je prends avec plaisir ce genre de recommandations. Je vous souhaite une très bonne nuit, merci d'avoir été là, merci d'être toujours aussi drôle, toujours aussi sympathique. Merci de votre présence, merci de votre soutien, c'est toujours un... On va te voir plus souvent choper. Ouais, alors, je vais être honnête, en fait, je suis pas très fan des reacts d'OP, parce que c'est des émissions qui m'intéressent pas. Mais ouais, j'essaierai d'être là pour les parties discussion. C'est vrai que j'y étais plus ces derniers temps, parce que j'avais beaucoup de taf, beaucoup de choses à régler. Et ouais, du coup, les reacts, ça m'intéresse moins que les jeux. Mais ouais, faudrait que j'essaie d'être là plus souvent pour les parties discussion. Surtout que voilà, j'apprécie beaucoup OP et que j'apprécie beaucoup ses streams. Merci donc voilà pour la xème fois. Merci à vous d'avoir été là. Merci de votre soutien. Puis merci de votre présence. Et on se dit à très bientôt. Allez, à très bientôt. Ciao.